Bino fidèles internautes ya Congo Live vraiment isengo mingi ya kobona na lisusu lelo liboso ya écran na bino na benga mina komba Michael Bilonda votre humble servante prête à vous informer les actualités en RDC lelo nazanga mon côté mpanzi nanga nazana maître Fortuna Mukendi voilà hein mutuna bino wazala wana lo baka polele polele isengo mingi pona nga ya ko présenter bino mbote mo na mboka. Mbote madame Michael Bilonda et c'est mon mingi kozala liboso ya ba téléspectateurs na biso na banzike na bosimbo pe na bosolo tokoyeba na ko pesa maye oyo ezali kotambusa mboka na biso en toute sincérité. Merci beaucoup maître Fortuna mais ils en actualité mon corps ils ont tungisa biso un peu trop pour bazolo ba makila ya innocent et ganga toujours comprendre tête moni na ngambo mususu ngo inkansaji balobi et kengo inkansaji est appelé à recourir au droit juge au tobeng na komo ya Piero oyo akata ki likambo ya Vital Kamerhe est-ce que copé sa biso vraiment biano concernant sujet oyo. En ce qui concerne la concession de notre client dont je suis avocat conseil, honorable Alphonse Ngoyi Kasange, il y a bien évidemment en date du 17 août 2020, mon client s'était vu être déguerpi, expulsé, vilipendé, ridiculisé, humilié de sa parcelle en voyant l'entrée de quelques agents de l'ordre, quelques éléments de la police, yebissier qui est aux alliés d'ordonnance, il y a président, il y a tribunal, il y a grande instance, à l'occurrence monsieur Piero Bakenye, qui nous envoie à côté de Guerre Piero, sans préavis, sans sommation, sans jugement, pour les autres notifiés clients en que il y a eu un conflit parcellaire contre Yonatel, au perdre conflit, on a sur base à jugement numéro autant, d'être de Guerre Piero, ça n'a jamais eu lieu. Du coup, Baya va déguerpir. Voilà pourquoi nous avions dit que l'état des droits était en berne. Pas parce que le président de la République le voulait, mais tout simplement parce qu'il y a des gens qui se croient être au-dessus de la mêlée, à l'occurrence la personne de M. Piero Bakenye. Madame, il y a ce que vous devez retenir. Le 13, oui, je crois bien le 3 janvier. Le 3 janvier. Alors je disais que le 3 janvier 2013, ce fut la date à laquelle mon client, maître Alphonse Ngoyi Kasange, avait acheté sa parcelle, n'est-ce pas? Alors, je l'ai expliqué sur d'autres chaînes de la place. Ngoyi Kasange a botoli lopango ya mokiate comme les commis de motel est en train de l'entendre. C'est un faux et conçu de tout fil. Un mensonge colossal. L'honorable Alphonse Ngoyi Kasange a sombi le paronaye à un sujet juif, M. Zohar Keller, qui se trouve en Israël présentement. Voyez-vous? Alors, a sombi le paronaye le 3 janvier 2013, na maboko ya Zohar Keller. Zohar Keller pe a botoli moto le paronaye, ne bali ko beta masolo. M. Zohar Keller devient propriétaire de cette parcelle à l'issue d'une expropriation qui avait été faite par l'État congolais dans le Pangonaye, où ils ont repris dans le numéro 40-3801 dans la commune Yagombe. N'est-ce pas? Quand l'État a exproprié, bien évidemment, puisque vous connaissez que pour cause d'utilité publique, l'État soit séparé dans le Pangonaye, à côté de la commune Yagombe, pour ériger service public dans le Pangonaye. Alors, quand l'État s'est trouvé à l'aise, il a exproprié le Pangonaye à M. Zohar Keller, en compensation dans le Pangonaye, il y a M. Zohar Keller, l'État appelle 6 Zohar Keller, le parent est allé à Veni Baudouin, dans la commune Yagombe. Alors, c'est comme ça que quand M. Zohar Keller, plus tard, avait contacté une dette de 500 000 dollars dans Rao Bank, il a hypothéqué son certificat d'enregistrement. Il y a le parent, l'État appelle ça et en compensation. Et pour preuve, l'État avait établi même un certificat d'enregistrement au conservateur des titres immobiliers, au nom et pour le compte de M. Zohar Keller. Alors, après avoir emprunté ses 500 000 dollars américains, il s'est trouvé en impossibilité de rembourser l'argent de la banque. Il avait hypothéqué son certificat. Le 3 janvier 2013, il s'est trouvé un acheteur, un preneur qui était notre client, monsieur l'honorable Alphonse Ngoyi Kasange,
qui a acheté en bonne et due forme. Il a vérifié ses documents. Il a vérifié tout le contour et le pourtour lié à cette parcelle. Donc, la banzike, Kolobake, client Nangaï, Alphonse Moïse Kassange, à Botolaki Lopangwana, à Maboko, à Ndeko Gabriel Moka, et Zalio Babenga en français, victimisation. Voilà comment. Donc, ce qui peut permettre que Bolinga qui tous à la natango mingi émission est à la kaka tout autour. Il y a dossier, il y a client Nangaï, Nandeko Moka. Je suis dispo et je vous invite. Mais retenez que Monsieur Moka Azali komi benga propriétaire sur base il y a arrêt 62-470 qui avait été rendu le 14 février 1995, n'est-ce pas? Alors, lorsque sur base il y a jugement au RC62-470 au Mokali, qu'au Sala, qu'au vanté sur tous les toits, qu'on est allé au commissaire propriétaire, cet arrêt a été cassé, n'est-ce pas, par les RC009 de la Cour suprême de justice. On en ligne. Parce que RC 62-470 et commissaire qui moque à propriétaire, moque à défaqui $198,000 na union des banques zaïroises ou union zaïroise des banques. Alors, $198,000 à hypothéca qui certificat d'enregistrement nae, ou ezali à l'opin ou nae à Barumbu et si kafandi présentement. Se trouvant l'impossibilité à kofuta misolowana, moque à yé ko profiter na réforme ya Birindwa. Tant que bon dollar et quitte moi Valère, Franck Zaïrois et Matimingi, à Goyasko, qu'on rembourse Mbongo, paie à attaquer à quel fond d'union Zaïrois des banques et Bungi si certificat d'enregistrement naïe. Le tribunal de grande instance de la Gombe condamna à son époque au paiement des dommages et intérêts de $11 millions. Pour Bapé Samoka, il vient de toucher $2,500,000 dernièrement. Monsieur Gabriel Moka, il est au courant de ce que j'ai dit. À outre aussi, 2 millions par les biais du ministère des Finances. Alors, comment Muntu Oyo va condamner Union Zaïroise des banques à Futayo $11 millions américains? Paraît-il que Abungse certificat d'enregistrement na yo, pe baboto là-bas, immeuble Union Zaïroise des banques, va passer à Monsieur Moka. Vous voyez que c'est un réseau de mafieux. Et nous sommes fort étonnés. Il y a comment le président du tribunal de grande instance est en train de soutenir ces mensonges pharaoniques. Bali comment? Asimbaka exactement, Asimbaka périodiquement misolo na ebongo. Alors, lorsque moki ba pesier 11 millions, Union Zaïroise des banques et ko yo ka moki ko lobaka ke azozo na ba immeuble ya Union Zaïroise des banques na 11 millions. Nde Union Zaïroise des banques et kenda ko attaquer na cour d'appel et interjeter appel na décision 62-470 ya tribunal de grande instance. Le ministre de la Justice à l'époque, ne se trouvant pas aussi dans son assiette, il va instruire au procureur général de la République, rattaché au parquet près de la Cour suprême de justice, à Kende en pouvoir en cassation. Nde Tangbake en pouvoir en cassation, de l'autre côté, Union Zaïroise Eke est formé appel, la Cour d'appel, mais procureur général, il y a qui en pouvoir en cassation. Il y a l'arrêt, j'ai les documents avec moi ici, il y a l'arrêt RC009, signifié régulièrement à toutes les parties, y compris M. Gabriel Moka. Ezali Koyebisaye, qui est Cour suprême de justice, Ezali Kolobaboy, $11 millions américains, certes, au Kosimba Yango, mais les immeubles de l'Union Zaïroise des banques, et Kotikala, il y a l'Union Zaïroise des banques. C'est alors qu'en 1998 ou 1999, quand l'Union Zaïroise des banques tomba en faillite, que l'État congolais va récupérer les patrimoines qui relevait de son domaine privé, ndema pangwana, y compris Oyarwa Baudouin. Alors, l'État congolais tant qu'à qu'on exproprié le pan où y a sigé Zohar Keller, non moi sinon Égypte Keller, né en compensation, à son le pan où y a si monsieur Zohar Keller, aïe koko ma propriétaire à le pan où y est peu, aïe côté que l'ango client en aïe. Na makamounyo son à l'obiao, ou api kombo à Gabriel Moki. Mais, tu y est comme on a le 17 août 2020, Monsieur le président du tribunal de la grande instance, Pierrot Bakenge, un aîné très intelligent mais qui a perdu des pédales. Je n'ai pas connu, je ne l'ai pas reconnu. En quoi? A signé, madame, aux signé ordonnance, Koyako de Guerpimoun, propriétaire d'une parcelle, la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et révisée par la révision constitutionnelle de 2011, en son article 34, et lobby que la propriété privée est sacrée. Motofani na lopango naye, Batoubali Kokota. Directement, sans préavis, sans sommation. Il s'agit là d'une violation
intentionnel, délibéré de la constitution de la part, il y a président, il y a tribunal à grande instance. Bah, violer domicile à Moninga, bah, violer droit de propriété, il y a Moninga. Voilà comment. Et bah, Makamwana, il faut que le président du tribunal de grande instance a se ressaisir le plus vite que possible. Parce que et même si la maladie, na mwana honorable Alphonse Moïka Sange, ça a troublé sa fille, sa troisième fille, mwana Beli, a koka ko supporter. Comment dans le pas wa tata na yo, o comment na ba ko bimisa bilamba ya tata na yo. C'était horrible, madame. En tête, il y a film, wana, monsieur Pierrot Bakenge. Nous lui demandons la réinstallation immédiate, sans aucune autre forme de procès ni de négociation, de l'honorable Alphonse Moïka Sange. La partie adverse, pour finir, est un certificat d'enregistrement. Certificat d'enregistrement, il y a client en Haï, Yango. Voyez-vous? Moïka Sange, famille Naye, et Zalakana service, il y a établi un certificat d'enregistrement. Moi qui suis son avocat conseil, je ne sais pas comment lui établir un certificat d'enregistrement. Ça, c'est les conservateurs des titres immobiliers. Après vérification, achat, acte de vente, Magamion chez Salami, on a établi en bonne et due forme un certificat d'enregistrement. Il y a un moment, tu as dit que tu as dit que tu as dit que le juge a dit que tu as état de droit dans Mboka Oyo. Ba juge bali ko bundisa yango mona ki mokonza mboka na est kuna alobi ke ali ko kamwa asala ki ba reforme akanisa ke ngeme mamwa solution ma moni ete ba juge bali ko combattre état de droit. Des décisions et jugements sont prises au nom du président de la République. Lorsque Cour suprême de justice est cassé arrêt 62-470 peut établir RC 009 au sali ke Union Zaïroise des banques et ali propriétaire ya Mapango wana, au nom de quoi, sur le fondement ya nini, ndeko Pierrot Bakenge, azo ya ko sala référence. Pour na ordonnance na ye, alobi gazo se référé na arrêt 62-470, o ezala ki kase, et pas Cour suprême de justice. Lorsque Cour suprême de justice, ezo kase arrêt, et que ezo zo arrêt, arrêt ya Cour suprême de justice, ezo revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est inattaquabilité, ya barré prise, pris par la Cour suprême de justice. En disant cela, pardon, aux autres suspectés, nini. Au fait, qu'est-ce qui a poussé alors que Pierrot Bakenge a sala acte son intérêt dans les années? Je ne sais pas. Je suis soumis à un certain devoir de réserve ici. La copé sa fond, il y a dossier T, il y a la sali, il y a kaka, l'icolo, l'icolo. Mais seulement que, bah, juge, dans mon cannabis, au début, il y a bavir et zali mingi, il y a magistrat suprême, il y a alors, il y a un concocté. Il y a un déguerpir par l'ambassade, maman. Juge, il y a un déguerpir par l'ambassade. Il y a l'ambassade du Nigeria. Il y a un juge qui a une décision. Ambassade, s'il vous plaît. Il y a une violation, il y a un droit, il y a une propriété à Batunanivan. Mais si, à une ambassade, on peut faire ça, quand sera-t-il de l'honorable Alphonse Moïka Sange? Et si à un honorable député, on peut faire comme ça, quand sera-t-il Yayo Nangai? Parce que si du bois vert, on traite de la sorte, quand sera-t-il du bois sec? Aux alliés au monde, netto alliés au talaïté, c'est que mon conseil, quand ça a l'allusion, n'a pas de décision, n'a pas de vue, on ne copie pas qu'il y a alliés au sale. C'est avec son avènement que mon conseil, alliés au déploré. Démarche à justice. Merci beaucoup, mon amboka. N'a coupé sa bisou pénabila qui s'est vraiment en dingue, vraiment essayé. Le mot banni, mais le bisou bas document. Ah, population à Bansi Bazaï et Kosepe. La meilleure bisou bisou tout son amouké n'a affaire où est sali John Numbi pour air au lobby de ma comme ma part en vraiment. Mais moi, n'a raison, moi, m'ké n'a mis une population. John Numbi Oyo, bah, trouver Mindou qui n'a qu'à Tsaloupangou, bah, trouver. Bah trouver bah l'euro moroboué oh il ne fallait pas trouver na quatre femmes on a séduit à quoi et puis est-ce que bah qui n'a droit à vous y a qu'au Bengana une femme on a assez la possession la moitié. John Numbi, en ce que je sache, Michael, vous êtes une brillante journaliste, la base qui a investigué sur dossier on a d'ailleurs plus que moi puisque yo qui taratine à terrain. Mais en ce que je sache, na lobi boy bah l'ongolier na lopan on a été bah kinde pour perquisitionner le panguana pour batala nini zali na kati et salami na ordre ya mibeko bazwa ki instruction ba kende ba perquisitionner ba kokana komona nini zali na kati parce que bazali na minute na kati ya koluka John Numbi qui s'est échappé. Alors soki muntu a s'échappé na justice atana ndako na ye sengeli sikoyo mandat de perquisition ezala établi pour baba ndako luka ye bisika nyonso azali
On appelle ça un mandat de perquisition. Oui, alors qu'on peut s'en d'acquisager. Ce qui est un mandat d'amener pour tomber maillot, il y a qui bat à mandat. Moi, je bats pas contre mandat. On a eu exalté pour bah un mandat de perquisition. Mais il fallait un mandat de perquisition pour pas perquisitionner. Bah quoi, bah là, ce qui nous met à l'inacte. Mais oh, bah qu'est-ce qu'on a nombi? C'est avec des mains tremblantes, avec une bouche qui doit bégayer. C'était horrible. Ibi West, saugrenu. Makambouba moni nanda kuya ndekonumi. Et ali ko leke la maye la bomoto. Et je vais aussi vous faire une révélation. Que nous, comme un général, parce que atanga na kamina, ake boye, ake formation, boye te. Ce n'est pas un militaire de fait. C'est-à-dire que salane moussala ya ki soldate. A outi rébellion, ala li banzala na este. Marcho ba yiko salongo la kadogo na mouze. Oebi gena rébellion, ba pesa kamoutu ba grad nde alingi. Pokuna mobe kwalite mokonzi ya lipinga lande ali kotalo soko sali mwa likambo sepeli si opesie mwa kombo asika e ngelisi eminu ayebiso lelo komi colonel lobi okomi general yo ali na photo ya numbi tanga zaki lietina yo ali na photo ya numbi tanga zaki colonel yo ali na numbi tanga zaki boy mbala mo kaka general d'armée wana ezali grade ya souka ba ebisi nga pa pulishimo ali grade general d'armée tozali na general d'armée na mboko ya solo me batutala na est kuna tonyo kwa mimi na régime onumbia za ki general d'armée wali komon. Donc nous demandons à ce que la justice congolaise ait coopéré na ba pays voisins nyonso ba kokana ko sunga biso na ko rapatrier moto wana azonga na mboko yo ba sambisa ye parce que jusqu'à présent il jouit de ce que nous appelons le principe de la présomption de l'innocence. Et c'est ce que vous expliquez, Bisson. Makambo, tout le monde est là. Vous avez fait un peu de choses pour alléguer contre vous. C'était vide ou comment? Vous avez fait un mouvoir. Vous avez fait un abattoir. 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 Yo que fana na mouvoir isika bongo mais okosala 48 heures. OK, maître Fortuna, essayons un peu de parler à sujet au pona moni concernant justice vraiment. Tout ça beaucoup plus éclairci. Tomoni école Saint-Georges, élève en bleu blanc, je dis bien. Sala ki mo buzo un peu mingi, publier ki sexta pour mon koningi, ça qui vraiment bouti, sala ki très très déçu et voire même la population. Na yango ministre ya IPST, Tony Mwaba, azwaki courage wana koko mayimu kuna mabele ya Saint-Georges pe azwaki décision en kolobake. Bana wana non seulement baza exclu ya école mais école mon côté ya République et bana kundima bango na bana nouvelle inscription yo le bini pona. Mon aîné et grand frère le confrère avocat Tony Mwaba, un juriste aiguisé naebi capacité naye malamu mais à ce que je sache na moni gezalaki mwa kanda nde ezwesiye mokano wana pambate webiete bana bazali kaka bana ce qui va faire bana ba commettre tozo considérant le coup la ba frais infractionnel et c'est elle qui déférer bango liboso ya juge compétent na bango tout d'abord à entendre bango pe tribunal toza ba tribunaux pour enfants na ba divers lieux na mboka na biso ba ko sambisa bango pe ba ko katela bango etumbu ce qui va faire wana ezali considéré comme ba frais infractionnel mais ce ezali ko toucher kaka et ezali ko faire ça atteinte na éducation nationale. Et c'est le fait que ces enfants ont en plein débat sexuel exposé ces vidéos là sur la place publique et c'est le aussitôt sur les champs immédiatement tu comprends que bah il y a un problème dans mitou na bango parce que ces enfants ont un problème ils doivent avoir des problèmes psychopathologiques parce que tout de suite et c'est le bisoto banza na centre de rééducation ya bana wana mais les exclure na cycle éducationnel, ton processus y a éducation et ali ko pesa bango vie mobimba passe pourquoi maman constitution en mboka na biso ali likolo ministre Tony ali likolo abanga na ali likolo na ngai et lobi que les droits à l'éducation ce n'est pas un droit négociable c'est un droit inaliénable à chaque enfant et sengeli na mwana nyonso azala na droit il y a éducation surtout que mon konzi mboka ayeko komisango effectivement gratuite éducation parce que pime la bana wana éducation parce que sali moi bozo ba wana je crois que c'est une décision très dure qu'il faudrait revoir parce que bana wana
après ma kamouba et basali et avec autant de services que basali en tout cas dans il y a éducation mais cette fois éducation mais rééducation alors il faut établir un centre et zali nambo cannabis et belé balou ka centre moko ya rééducation balou ki ba psychopédagogue ko fandi sabanana ko rééduquer bango au moni bible lobi ke fimbo elongwa na sima ya mwana ali bozobate ali ko monde et sengali fimbo ezala sima ya bana wana kasi ko pime na bango éducation nali ko partager avina kulutu na ngai confrère na ngai Tony Mwabate ngai na sengi plutôt balou ka centre ya rééducation banana pambate vimo bimba ikoza la gache kaka boite bana batika la kaka bana ataba tuminda ku esengeli tozo bango to cha bango na kati ya ya moto te mais je veux dire aussi aux enfants de ne pas se lancer à des pratiques comme ça ezali vraiment bien te ali ko sala pasi ko mona mo boti ko koli sa mwana ko tinde na kelas mwana el ko elende film ya porno et baboti mususu akoki na koweya ya on dit que l'éducation va se rendre partout ça rara na classe te quand même parce qu'en parlant j'ai vu que tu t'es plus basé na éducation au ya classe au bandi na gratuité alors que le ministre Tony Mwamba a bandi renne il y a pas longtemps so ko tali classe oyo bana wana ba komi na ngosi ko yo na temps oyo Tony Mwamba sali na renne na ça correspond pas avec sa période donc que dites-vous alors kasi na lobby te mama na liko charger ko lutu Tony te plutôt na lobby que loko la parent il y a Alina Bana. Le coup, la parent, Talia le binon, non. Ça, c'est insupportable. Et c'est Alina Bana qui a été. Mais Etumbu na été moni et que yiko simba atteinte à liberté. Oh, ils allaient consacrer. Il y a vu, il y a éducation. Il y a allaient consacrer. Dans mon bébé, ils allaient la constitution. Ils allaient la arrêté ministériel. Il y a un lobby qui est Alina Kouloutou. A tchamoua maïmouke na vino na yé. Pour aller à Bana Kota là, Bana ou ceux qui a pimé li bango éducation libéla. Mais vina bangwe ko suka beboni ya ona lobby boy ezali kaka kela cité o moni lelo nali ko interpeller ministre média na communication ministre ya genre et famille ali ko moni ya droits humains o moni bata la makambo etali télévision na biso internet na biso ali ko moni lelo baboti bali na bana na ndako ya ebike mwana na ye ali na 13 ans mais mwana na ye azali a même titre parent lokola ye yenda zo kanisa ke mwana na ye azali na 13 ans mais mwana na ye azo moni lokola collègue parent. Pour ma union, si on a ça, on a pas ça, on a téléphone. On a téléphone, on a Alina Mokili Mobimba. En effet, moi, on a parent, pas comme il a un collègue. C'est-à-dire que les parents, pas comme il a un collègue, c'est pas ça, on a un collègue. On a ça, la sonne, la société, la biso. Et Ali Bosoto. Et Ali Biloko, il a encouragé. Et c'est un gars qui a rééduqué, Banawana, Kasi, pour conserver Batala, ma cambo est allée Internet. Ma cambo est allée Internet. Ma cambo est allée Banzembo. Ali Koleka na TV en plein jour. En plein jour, on a dit que nous avons dit que ministre Azali Wapi. Nous avons dit que nous avons dit service à censurer, Kenda Wapi. Na bandi beaucoup bato bazolanda bako pesa quand même moralité moko concernant ba na bango pe concernant ba élève et consort mais tozonga mo mtina marche ou ko salema le 15 septembre na bandi ko za au courant nango bande ko na biso ya la muka bazo ko préparer marche le 15 septembre pour na ko éviter glissement et quand dites-vous poto moni même mboso ko dia yé pe azo soutenir yango alobi vraiment c'est une bonne chose c'est une bonne idée si ko yo en tant que maître avocat en tant que moi na mboka na mboka na biso lobini. Au premier contexte, voudrais-je dire, na yoko lobby que les alipona pour éviter les glissements, les alaté. Est-ce que moto koki ko linga et loko na contraire nango? Yo aliko sala marche pour te glissements et alaté, mais yo moko aliko telemela loi électorale, ou aliko telemela bakambi a seni, bas à la mise en place, si ko toko ko kende ma pono mindenge ni. Pour ma ponomi en bois salama, et c'est un acteur politique qui va se mettre d'accord dans l'Italie, mon bébé est en Moussaka ma ponomi. Si je suis en train de faire un peu ya centre électoral, pour que je puisse faire un peu de temps, ma ponomi. Si je suis en marche pour être ma ponomi, je vais freiner ma ponomi. C'est comme ça que nous en appelons au bon jeu. Batou baya to beta ndembo malamu. Nani bazo freiner ma pono batou la muka. Mais batou la mukati. Batou FCC pe balier longo na bango bali ko soutenir marche na bango. Mais marche ezali droit moko légitime pour na bango et sengeli batambola. Ngai na ko kende na ngai te, mais basala marche na bango
batambo la problème à l'ité mais seulement que ba bisa biso que vrai objectif il y a marche à l'ining parce que soit ils arrivent pour un glissement car si bango ba soutenir processus ou ils allaient déjà en marche pour to comment on kokenela ma pour ba lobi ba boy politique ou ils ont salé ma bango ba lingi ngote ba lobi makambo ça mala ndenge mo ya lokuta ndenge mo ya ya bien té na sima mu Congo ya ngwana ba osa la marche pour makambo ils ala pour bango ba ba ko proposer mututi na makambo zo sala na yebi que kaka na poko alelo extrait on a comme on a déjà sur batoi et belé na lobi boy maman Mikael yokangai ma ponomi balobi ali ko kende na ndenga lokuta ndenga bango bali ko monela na ebisho boy soki bazui président ya CENI batché Martin Fayoul bazui président bazui ministre intérieur batché Adolphe Muzito ali ko yok bazui rapporteur ya CENI batché ndeko wana lobaka pe moi mingi wana na ndeko na ngayo Blanchard Mongomba bati yeye bazui vice président CENI batché ndeko epenge bazui soki nani soki basi j'ai étranger wana batché bango wa candidat bazui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batché challenger na bango Félix Tshisekedi akobattre bango à plate couture na batu na lobby ala so ba organiser élection parce que soki bango ba organiser élection Félix ako gagner a combien plus forte raison soki tokeyi na moto mosusu. Le problème, c'est que c'est le peuple congolais qui a confiance en Félix. Et Zali Makamubango, je vous avais dit et je le répète toujours que même si l'on prenait l'ange Mikael qui devait venir en concurrent dans l'élection à 2023 contre Félix Tshisekedi, mais il sera battu à plate couture tout simplement parce qu'il n'a pas de bilan à présenter. Ah ouais, tu sais que tu as comme maman qui a eu bambata. Mais moi, la maman, en parlant de ça, le peuple congolais, bah, quand il sait qu'il y a le président de la République dans Rome, qui a boué, bah, le bi, bon, dès qu'on a un appel, bah, ceux-là qui déjà n'ont le pape, alors, il y a un royaume, il y a un peu qui a tapé ma camion, il y a aussi là. Mais tout à l'heure, surtout qu'il y a des soignants sur les présidents, il y a un peu de mboka, mais l'autre, mon roté, c'est le pape bimbo qui les sous, c'est dû à quoi? Oui, bien, déco. Papa Zali, mon toto bengaka, a la souverain pontife Kuna. Akambaka RDCT. Le col appelé Ndeko président Mboka Félix Antoine Akambaka pe Vatican te. Allez au monde. Bakeyi pour Vatican ils le rappellent le col est à part entier. Bakeyi peut-être dans le cadre de relation moko bilatérale. Bakeyi solo là. Bakeyi solo magamwamboka te. Moko yemuto Akambaka ngo et ali kaka Félix Antoine. Akambaka fik mobimba. Dota Akambaka pe RDC. Ah yemuto Akambela kabi somboka alakate. Discours est à la kawate. Kazali, Bobanda ko benge nan pantin, placebo, c'est Kabila qui dirigeait. Le loyo, moto bino boye ko benga pantin, placebo. Bolongo liye na Kazaka, wana bopeshe Kazaka dictature. Tolobike batu batika politique ya Lokuta, batika politique ya Kadiosha, hein, ya koyina kaba individu. Moi j'ai de très bons souvenirs avec mon père Martin Fayoulou. Na sala na yeba événement ebele quand nous fume à l'opposition ensemble naye wali komon soki na monye na nzela na kolekete na okende kulutu boni santé to kosolo na marche organisée yo zalata te na kosala te pali na ko partager idéologie moko na yete politique na yena nga ekuta na kate wali komon moi je suis de l'école euphémisme au monde donc euphémisme biso to soutenir ka ba valeur to soutenir ka ba institution mise en place to soutenir ka autorité outi na nzambe. Alors, on a allé dans l'idéologie, mais on a été à résistance. Bah, on a allé dans l'individu qui s'est fait. Moi, je ne suis pas chanteur de l'individu qui s'est fait. Je ne l'adore pas. On a allé soutenir l'idéologie, on a allé soutenir la politique. Il y a Ndeko Félix qui s'est fait. On a allé dans la politique, il y a un euphémisme. Il y a un euphémiste. On a allé soutenir la politique. Alors, on a allé ceux qui ont acheté comme moi, Mbilinga Minga, c'est tout à fait normal parce que je ne partage pas ce même point de vue qu'il y a là-bas. Maître Fortuna Mukendi, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans Congo Live. Juste un mot de la fin pour conclure l'émission Nabiso Yalilo, moralité, mon copain, c'est le peuple congolais. Comme d'habitude, na sengi na peuple congolais, j'appelle à la population congolaise tout entière. Na ko soutenir ba institution en boka ko soutenir président de la République nul n'ignore que biso nyonso to ali na posa ma ponomina 2023 mais yango e ali priorité des priorités te ali komone peuple congolais ali na posa ali ya malam ala la malam a déplacer malam a mila malam alors soki tokoki na ko silisa makambwana na banzi ke ko sala victoire munene soki to memi yango sko na ma ponomi awa pe na li ko insister na gouvernement ya kulutu sa malokonde Kope sa biso ma ponomite tata, so ki nan oyebisi biso te, peuple congolais ali motu ya boni.
Bope se biso maponomite soki nanu toyebi nani ali congolais nani ali congolais te binope bapono ba kelimibeko bosunga na biso na kopona mibeko o ali malamu ali kokende na faveur ya population lokola biloko o ta ko sing ekita effectivement ali makamwa malamu ko sala hein lokola maternité na ki kalate ko ma gratuite e ali makamwa malamu ya ko sala loko la loi ya congolais de père et de mère akoki ko sala candidate ali ba mibeko malamu ya ko sala mona nga suka ya ngwana pe na pesi balandi nonso mbote pe botoni malamu. Merci beaucoup, Maître Fortuna Mukendi. Voilà, c'était un grand plaisir. Et aux anneaux et longo, il y a Congo Live Balanzina Bisso. Je pense que vous causez là. Il y a aussi Pela Bino Nyon Sopona. Paul et OSN à Kosan Malakata Mouli, les Akinamboka et à Congo. Voilà, un grand merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Voilà, on se revoit à la prochaine édition. Celle qui s'était présentée devant vous, c'est bel et bien Michael Bilonda. Restez branchés sur Congo Live. Vous ne serez jamais déçu. Merci.